Mais qu'est-ce que tu fais? Je vous la remonte. Mais pourquoi? Pour voir le système. Mais pourquoi tu veux voir le système? Ils sont où tes EPI? Dans la caisse. Mais tu les vois pas les banques qui sont en salle? Non, je ne les vois pas. Je vais te présenter les EPI, je vais te présenter la machine. D'accord. Donc c'est une machine industrielle, d'où le marquage au sol. C'est un palan, donc un monte charge. Il soulève 110 kg, comme on peut le voir en haut. Alimenté en 400 volts, bien sûr. On va mettre nos EPI, donc blouse et chaussures de sécurité, et on va aussi mettre le tapis isolant comme double sécurité. On n'est jamais trop prudent en électricité. Ensuite, à l'aide d'un cadenas ainsi qu'un macaron, on met le cadenas pour que personne. Donc, on ferme le cadenas. Donc d'abord, on met des gants isolants qui permettent de couper le voisinage, donc d'éviter de se faire électrocuter. Donc là, je t'invite à prendre le gant et de faire avec moi le test pour voir si les gants sont bien isolés. Là, tu le mets prêt pour... Donc voici un casque pour protéger des matières en fusion quand on va ouvrir l'armoire. Donc maintenant que je suis bien équipé, je vais pouvoir ouvrir l'armoire et prendre le dossier pour voir si j'ai bien coupé le bon sectionneur. Et j'ai bien coupé le bon. Donc là, on va faire une VAT. D'abord, on teste le VAT pour voir s'il fonctionne. Ou pas, il fonctionne. Et on teste entre chaque phase. Ensuite, on reteste le VAT pour voir s'il ne s'est pas cassé. Et n'oubliez pas, en électricité, on n'est jamais trop prudent.